Coucou les filles, alors je reviens avec une petite vidéo achat aujourd'hui. Bon, en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que je n'ai pas trop le temps en ce moment. Je prépare mon déménagement, donc pas trop de scrap, enfin deux trois trucs, mais là ça y est, tout est dans les cartons. Donc c'est pas grave, j'ai quand même passé une petite commande, hein, à part que je fasse un autre carton, je le sens. Donc du coup je vais vous présenter tout ça. Enfin tout ça, pas grand chose non plus. Hein. J'en ai pas non plus pour. J'en ai profité parce qu'à la fourmi créative, en fait, il y avait la réduction de 15 euros si vous commandiez. Je sais plus, je crois que c'était 60 ou 70 en fait. Si vous commandiez pour 60 ou 70 euros, vous aviez 15 euros de remise. Et moi j'avais également. 8 euros en plus dans ma cagnotte, donc du coup ça m'a fait moins 23 euros sur ma commande, donc ce n'est pas négligeable. Donc du coup je me suis juste repris des recharges pour mon pistolet à colle, hein, parce que ça y est je commence à être à la fin, même si j'en fais plus pour l'instant, comme ça c'est fait. Et donc mes petites recharges pour mini pistolet à colle, je les ai payées 1,80 €. Donc voilà. Je me suis pris également un moule, parce que j'avais vu ça sur la chaîne d'Elie Chabi d'ailleurs, et je bavais un peu sur ces superbes embellissements en wépam faits avec ce moule. Donc du coup, je me le suis pris. Et celui-ci était quand même 17,25 €. Donc du coup, c'est pour ça, comme j'avais un peu moins 23 euros, je me suis un peu lâchée sur des trucs qui étaient un petit peu chers comme ça. Donc voilà. Je sens qu'il me perd des superbes belles choses. Je me suis pris également des dies de chez Toga que j'ai payé 14,95 €. Voilà. J'aimais bien cette forme et je l'avais vue sur des cartes donc à Lego quoi. Donc voilà. Je me suis pris également pour continuer ma petite collection. Parce que j'ai tous les papiers, j'ai la collection de papiers, enfin j'ai plein de trucs, ça y est, je crois que je vais l'avoir complète. Donc de chez Basic Grey en fait, la collection Eyeline. Donc là du coup en fait vous avez des petits die cut, vous avez des petites cartes de Project Life, hop, je vais me mettre comme ça. Vous en avez des plus grandes. Vous avez également des petits autocollants, stickers comme ceci. Il y en a également de l'autre côté et des alphabets, donc ça je l'ai payé 9,50 €. Voilà, j'avais commandé par contre une encre zinc, les encres d'ail couleur or, mais ne l'avait plus, donc malheureusement pour moi, voilà. Et puis je me suis enfin pris, parce que je m'étais trouvé le petit pad et des cartes de Project Life à version scrap. Et je l'avais pas. Bon, je l'avais vu, et puis je trouvais qu'il était un peu cher. Et puis finalement, j'ai craqué. Je me suis pris l'assortiment de papier de chez Simple Story, collection IAM. Ah, un chat. Et donc voilà. Donc tous les papiers, je les sors pas. Hein. Je pense que tout le monde connaît un peu. Donc voilà, vous avez tout ça. Elle est superbe cette collection. Petite pensée à toi, ma Lily, parce que toi aussi, je pense que tu. Un jour, tu craqueras. Donc, derrière, vous avez bien sûr la feuille de stickers. Donc, voilà. Et ça, je l'ai payé 21,95 €. Avec mon chat qui s'assoit dessus. Ah, prends-moi ça. Je me suis pris donc en fait le pack de papier coordonné avec des poids et des rayures. Donc là, il y a 6 feuilles au 30 par 30 et elle s'étale tranquillou. Regardez-moi ça qui meurt. Et donc, j'en reviens à mes moutons. Alors, il est où celui-là? Assortiment. 30 par 30 Simple Story, Simple Basic, 6,30 celui-là, donc il y a 6 feuilles. Je me suis pris également du coup les brads qui sont super beaux.
Regardez-moi ça. Et les brades, je les ai payés 7,40€ quand même, hein, quand je vous disais que je m'étais fait plaisir. Donc voilà. Donc ça, c'était ma petite commande. Et puis bah, en cadeau dedans, je ne sais pas si c'était pour se faire pardonner, mais j'ai eu deux cadeaux. J'ai eu une feuille, on ne voit pas très bien, mais c'est des alphabets, regardez. Hop. C'est Basic Grey, la collection Prism. Donc il y a 3, il y a 6 couleurs d'alphabet différentes. Hop. Et j'ai également eu petits alphabets aussi de chez Tim Holtz, Ideology. Alors par contre, je regardais, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles, 6. Donc moi qui manquais d'alphabet. Et ben là je suis parée. Enfin voilà, donc ça c'était ma petite commande, comme ça, hein, histoire de me faire un peu baver là, et de me dire j'aimerais bien faire du scrap mais je peux pas. Donc je vais vous faire faire un petit tour juste histoire de, comme ça on va rigoler, excusez-moi le mal de mer. Regardez-moi tous ces cartons, bon il y a un peu l'aspirateur aussi. Donc vous imaginez que ça c'est du scrap, ça c'est du scrap, ça c'est du scrap, tout ça c'est du scrap. Tout ça, alors là il y a une pile de petits cartons, c'est que du scrap, ça aussi, et là vous avez la budget et tout est là quoi. Et je vais vous emmener, petit tour de ma maison, hop on allume, c'est tout dans le noir, regardez, c'est tout vide, c'est tout tout vide, voilà, tout est vide. Bon, il reste encore la bébête hein, ici, parce que je ne l'ai pas rangée. Hein. J'ai juste gardé un strict minimum pour aller à mon assaut. Mais tout est vide. Voilà. Donc voilà les filles. Petite visite de mon appartement, qui est tout en carton. Sur ces belles paroles. Et sur ce magnifique chat. Regardez comme elle est belle. Et qu'elle est grosse. Et ben voilà les filles, juste une petite vidéo à chat avec un petit mangeage de chat là par la même occasion. Vous avez vu comme je l'embête. Voilà, ben c'était une petite vidéo à chat, un petit coucou à tout le monde. Je remercie toutes mes abonnées, toutes les nouvelles, toutes les anciennes qui me suivent. Et j'espère revenir bientôt avec des nouvelles créations quand même un jour après mon déménagement, donc au mois de juillet quoi. D'ici là, prenez soin de vous, faites plein de jolies créas, faites plein de jolis achats. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard les filles. Salut !